Et salut les gars. Salut. Hello. Salut tout le monde. Hop, on va cacher la bannière. Et voilà. Et ben ça fait plaisir. Bah ouais, carrément. Depuis le temps qu'on devait discuter ensemble. Bah ouais. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un format A4 comme ça là. Ouais, bah c'est cool aussi. Ouais, ça fait un moment, ouais. Ça fait plusieurs semaines, je crois. C'était qui les derniers qu'on a fait A4? J'arrive pas à me souvenir. Kader et John? C'est possible, ouais. De Metacard? Ouais, y a moyen. En vrai, il y a moyen, ouais. Ouais, je crois, ouais. Ouais. Bon, si tu as été invité, que vous étiez deux dans les dernières semaines et qu'on a oublié, désolé. Alors, j'annonce un épisode un petit peu spécial parce que je suis complètement en PLS. Je voudrais remercier du fond du cœur les grévistes d'avoir fait sauter mon train hier et de m'avoir du coup régalé avec 10 heures de voiture en blablacar. Comme ça, je suis dans une forme olympienne ce midi. Mais ça va bien se passer. T'as vu de beaux paysages? Non, t'as eu le temps de profiter de la France. Franchement, j'ai traversé les volcans d'Auvergne. C'était magnifique, mais de nuit. La pleine lune nous a régalé un peu, tu vois, il y avait des mamelons comme ça, là, argentés. C'est beau, la France, mais de nuit, c'est nul. Ouais, donc non, j'imagine. J'ai juste souffert. Voilà. Et ben, du coup, Bastien, let's go. Ouais, c'est parti. On part en Réal. Allez, à toutes. Allez, à toutes. Bon. Les gars. Les gars, première question sans transition. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui vous dit que le Web 3 n'a pas d'avenir? Tu veux y aller, Jérém? Je peux commencer. Moi, tu sais, je suis un peu cash. Je pense que d'abord, je lui répondrai en se donnant rendez-vous dans 10 ans. Et puis, j'imagine que tu étais probablement quelqu'un qui disait que le web n'avait pas d'avenir. Donc ça, c'est ma réponse un peu crue. Mais après, pour expliquer plus concrètement quels avantages ça a, je pense que j'expliquerai pourquoi la blockchain, la propriété, ce que ça permet. Généralement, ce que je dis à ma mère quand j'essaye de lui expliquer que le Web 3 a de l'avenir, je lui dis que ça crée de la propriété partout. Et que tout peut être échangé, tout a de la valeur et que la blockchain et en particulier les NFT viennent régler une partie de ce problème-là qui existe sur le web. Donc ça m'étonnerait que ça tende à disparaître dans les prochaines années. Yes. Ouais, pareil, t'en reviens aux fondamentaux. Je pense que la personne qui dit ça, c'est qu'elle se dit que okay, c'est un phénomène de mode et que c'est spéculatif. Et que donc ça va s'arrêter, ça va mourir dans l'œuf. Les gens qui disent ça, bon, à chaque fois, voilà, j'en reviens aux fondamentaux de rappeler à quoi ça sert la finance décentralisée, à quoi servent les NFT. Comme l'a dit Jérém, voilà, ça sert à authentifier ce qu'on fait de façon digitale et on fait de plus en plus de choses de façon digitale. La finance décentralisée, on voit ce qui se passe dans certains pays où on n'a plus accès à son argent. Même si nous, pour le moment, ça se passe bien, on n'est jamais à l'abri que la situation change. Donc, de garder un peu une main libre sur son argent, bah, ça a énormément de valeur. Et donc, voilà, j'en reviens aux fondamentaux en montrant que c'est déjà live, ces choses-là. C'est pas potentiellement, quoi. Il y a déjà des gens qui s'en servent, même des millions de personnes qui s'en servent. Et donc, voilà, ça... Aucun doute sur le fait que ça sera encore là dans 100, dans 500 ans, cette philosophie-là. Ce qui, moi, je trouve d'intéressant sur, enfin, si on se base sur la blockchain, au final, c'est que t'as, y a pas de juste milieu. En fait, c'est soit tu as des fans, soit tu as des haters. Et t'as pas, tu sais, y a pas des gens qui ont un avis, oh, je sais pas trop, on verra. Et je trouve qu'en fait, toutes les technos qui ont vraiment, marquer les générations, changer les choses. Et moi, j'aime bien prendre Internet. Enfin, tu regardes les débuts d'Internet, tu avais des fans et tu avais des haters. Il n'y avait pas d'entre-deux. Et tu prends l'informatique, c'était la même chose. Et j'ai l'impression que aujourd'hui, avec la blockchain et le Web3, c'est ce qu'on est en train de vivre. Il y a
une partie des mecs comme nous qui sont à fond, qui avons creusé, qui voyons des usages concrets s'appliquer déjà au quotidien et des usages futurs qui vont arriver. Donc, on est à fond. Et puis, je dirais, t'as les gens qui ont été hypés par la blockchain et par le Web3 via ce qui s'est passé en 2021. Les annonces, les singes qui se vendent hyper cher, parce que c'est ça les phrases qu'on entend, tu vois, genre les singes qui se vendent hyper cher, c'est de la spéculation, etc. Et donc, je pense que c'est des gens qui n'ont pas eu le temps encore de creuser la techno. Ouais, franchement, je vous rejoins sur le côté disruptif de la techno et pas d'entre deux. C'est 1 ou 0 avec les débuts d'Internet. Je me rappelle de cette interview de Bill Gates en 95 où le présentateur lui dit « Mais en vrai, avoir un match de baseball sur Internet, est-ce que c'est pas la même chose que la radio, tu vois ?» Il fait « Does radio ring a bell ?» tu vois. Il lui dit « Mais est-ce que c'est pas pareil, en fait ?» Et tu as vraiment ce côté-là où tu as les mecs qui sont à fond et tu as les mecs qui sont complètement réfractaires. Et c'est vrai que le juste milieu, il flotte et il n'y a personne qui prend parti ou qui a vraiment d'intérêt. Tu vois, c'est assez intéressant. Mais je pense que c'est parce qu'une fois que tu as creusé le sujet, tu peux... T'es obligé de voir le potentiel que ça a et que ça va amener. Donc, en fait, il y a pour moi ceux qui s'y intéressent pas. Et je comprends, hein, tu vois, genre que ça soit pas encore un truc mainstream, que tout le monde n'y trouve pas son intérêt. Mais donc, ceux qui s'y intéressent pas et qui ont vu ça par le prisme de la spéculation, bah, ils rejettent en disant bah, ça, c'est encore un nouveau truc où les mecs ils achètent du vent, ils revendent du vent et ils font de l'argent avec, ça repose sur rien. Mais une fois que t'as passé cet écueil-là et que tu commences à t'intéresser à ce que ça apporte, la décentralisation, la suppression des intermédiaires, la notion de propriété pour la tokenisation pardon, de tout ce qu'on fait en digital, ben là, tu peux voir que des, enfin, pas que des avantages, mais c'est facile de comprendre comment elle va prendre place dans notre quotidien au fur et à mesure qu'elle va évoluer. Ouais, le web de la propriété. Ouais. Et redonner la propriété, notamment des données aux gens. On va en parler un peu plus largement après, mais c'est vraiment très important. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur vos parcours à chacun ? Yes, vas-y, j'y vais, vu que tu viens de prendre la parole. Bah, écoute, alors pour ma part, je viens déjà géographiquement d'Île-de-France. Je suis un peu, un banlieusard. J'ai grandi à Sartrouville et maintenant je suis à Saint-Ouen. Et donc j'ai fait parcours plutôt commerce marketing avec donc la même école que Jérém. On y reviendra tout à l'heure, je pense, sur comment on s'est rencontrés, comment on a bossé ensemble. Et en gros, suite à mon école, j'ai monté une boîte où je fabriquais des clubs de golf par impression 3D. Boîte qui était d'ailleurs accompagnée par The Family, je crois qu'on reparlera aussi un peu de The Family et de tout ça tout à l'heure. Et donc j'ai monté cette boîte pendant 3 ans où en gros je fabriquais des clubs de golf sur mesure et que j'allais vendre à une clientèle un peu fortunée, notamment en Russie par exemple, on avait des partenariats là-bas. Et j'ai arrêté ça au bout de 3 ans parce que c'était un peu compliqué. On vendait pas énormément et ça coûtait très cher à fabriquer. Donc bon, l'un dans l'autre, j'avais envie de faire autre chose. Et je suis allé chez mon docteur dans la santé. Parce que la santé, c'est un domaine qui m'intéresse. J'ai beaucoup de membres de ma famille qui bossent dedans. Et du coup, je suis allé chez mon docteur en tant que sales. Et j'ai fait 1 an et demi là-bas. Après, on a été racheté par Doctolib. Donc, j'ai rejoint Doctolib en tant que sales grand compte. Et après, en tant que Product Marketing Manager, mes 2 dernières années chez Doctolib, en gros, j'ai fait le Product Marketing là-bas. Donc, m'occuper plein de choses, du gestion de la communauté, du lancement de nouveaux produits. On a lancé la messagerie, par exemple, interne à Doctolib. Et voilà, il y a 1 an, j'ai quitté Doctolib pour rejoindre Jérém et Vincent sur Bulldog. Et sinon, d'un point de vue perso, je suis marié, j'ai un enfant qui vient d'avoir 6 mois et 2 chiens très mignons que vous pouvez voir à certains endroits et dont la race est connue et marquée en bas de l'écran. Ça, c'est trop bien. Ce pitch était d'une qualité incroyable.
Magnifique. Vas-y, Jérém, à toi. Du coup, pour prendre le relais, moi, et pour retracer géographiquement d'où je viens, je suis un sudiste qui a débarqué en 2007 à Paris, donc ça commence à faire un petit moment. Comme Clément l'a expliqué, on a fait la même école, hein, une école de commerce post-bac. Et puis, j'ai toujours été un peu fan de tech, un peu côté geek, envie de travailler dans l'INO. Donc, j'ai complété ça avec une formation à Grenoble en management techno et innovation. Et ensuite, j'ai bossé dans le web. J'ai fait plein de trucs dans le web. J'ai été en agence, j'ai été en start-up, essentiellement autour d'expériences qui vont être centrées CRM. Création de bases de données, animation de parcours client, comment on fidélise, comment on envoie des messages par mail au début, parce que ça a commencé en 2012, donc c'était encore le mail qui dominait tout. Puis petit à petit, avec l'arrivée du mobile, par push, puis par SMS, puis par WhatsApp, puis par Messenger. J'ai fait ça, ouais, voilà, différentes expériences à ce niveau-là. Et puis les deux dernières marquantes, en fait, un peu comme Clément, j'étais dans une startup qui s'appelait MyElephant. Une startup française où je suis arrivé, je crois que j'étais le 11e salarié, c'était en 2016, et à l'époque on était encore tout petit, et en 3 ans on est passé de 11 personnes à 70-80, avec un gros succès sur la France. On commençait à être connu en Europe, mais on avait des problématiques d'internationalisation, et au final la boîte a été revendue en 2019 à un géant du messaging qui s'appelle Sinch, qui est coté en bourse et qui est un gros compétiteur au niveau monde et qui fournit des API. Et puis après avoir fait découvert les grands groupes et passé un peu de temps là-bas, comme Clément, j'ai décidé de... Enfin, je voyais la crypto, je voyais les NFT et c'était le bon moment pour se lancer avec Clément et notre troisième associé, Vincent, sur lequel on reviendra sur l'histoire de comment on s'est connus. Et voilà. Ouais. Voilà le parcours. Et du coup, Clément, toi, t'as pas mal voyagé pendant tes études. Ouais. Meilleur souvenir de voyage pendant les études. Ah ouais, bah carrément. Avant ça, je vais répondre à Julien dans le chat qui a dit que la race de chien c'était Shiba. Alors, tu lis les chats. Ah bah bien sûr. Julien, presque. C'est. Pas loin. Tu verras là, par là, il y a un indice là. mais ouais, du coup, alors pendant mes études, clairement, meilleur souvenir, San Francisco. J'ai fait 6 mois à San Francisco pendant l'école de commerce à l'université d'État de San Francisco. Et d'un point de vue, entre guillemets, pro-études, c'était hyper cool. Moi, j'aimais beaucoup le côté... contrôle continu, très différent de l'école de commerce en France où tu as une fois par an des partiels et le reste du temps, tu fais rien. Là, déjà, le format me plaisait plus. Tu étais obligé d'être dedans. Et en plus, évidemment, l'état d'esprit de San Francisco en 2011, c'est-à-dire que c'est le tout début de Uber et qui était à ce moment-là, ils testaient leur MVP à San Francisco. C'était le tout début de Netflix où à cette époque-là, à San Francisco, on se faisait encore livrer les DVD dans la boîte aux lettres et tout. C'était assez incroyable de vivre tous les débuts de ces trucs là et en plus de ça, on était avec trois de mes meilleurs potes dans une grande baraque à San Francisco. Au passage, on avait fait un gros hold up puisque normalement San Francisco c'était réservé aux meilleurs de notre promo pour y avoir accès, et nous, je sais pas comment on s'est débrouillé, on était plus ou moins les 4 derniers et on a réussi à avoir San Francisco. Je pense que c'est parce que les gens trouvaient que c'était tellement dur à avoir que personne ne l'a tenté. Et nous, on s'est dit foutu pour foutu, on le tente, on le met en choix numéro 1. Et résultat, on s'est retrouvés tous les 4 à San Francisco. Et du coup, c'était 6 mois complètement dingue. Donc, si quelqu'un a l'occasion de faire ça dans ses études, d'aller vivre là-bas, je pense que ça a changé depuis. C'était déjà cher à l'époque, mais là, je pense que pour avoir une baraque, tu lâches un bon bras. Mais en tout cas, c'était incroyable. Ok, nice, trop bien. Et toi, Jérémy, un très bon souvenir de tes études ? Très bon souvenir de mes études, mais du coup, j'ai pas fait ce voyage, puisqu'on était dans la même école, et j'ai pas fait ce voyage de 4e année.
parce que j'avais déjà envie de créer des boîtes et j'ai essayé, enfin tu vois, on va y revenir, mais j'ai essayé plein de fois avec plein de sujets différents. Et je me rappelle très bien que ce qui a fait que je voulais pas partir à l'étranger à ce moment-là, c'est que je voulais créer une boîte dans le fooding où et on parle de ça, ouais, c'est 2011, hein, je crois, où les gens allaient acheter en fait des repas sains sur le pouce où ils pouvaient manger très rapidement. C'était l'époque où je sais pas alors si les gens connaissent, mais Exki commençait à peine. Il n'y avait pas les Cogent, il n'y avait pas les jours, il n'y avait pas tout ça. Donc, je pense que l'idée n'était pas si mal au départ. Le problème, c'était la maturité de l'exécutant, je crois. Mais bon, en tout cas, ça m'a bien servi. Après, un bon souvenir de mes études, oui, parce que c'est plein de rencontres. Et je pense que c'est ça qui est important. Et au-delà des cours bon, qui sont tu vois, genre, parfois plus ou moins bien, je pense qu'on a tous connu des écoles de commerce, on s'en est tous, enfin tous ceux qui l'ont connu s'en sont plaints en disant mon école elle est pourrie, etc. Moi je crois que ce que ça m'a appris c'est la débrouille et vraiment se dire à chaque problème il y a une solution, donc il faut y aller quoi, et peu importe le chemin qu'on prend, on trouvera la solution. Ben on revient justement si tu veux sur envie, ton amour pour la création d'entreprise, de projet. Ouais, bah. Un petit peu les choses que tu as lancées et testées. Bah, écoute, alors, c'est jonché de plein de cadavres. Hein. C'est des projets qui n'ont pas forcément abouti, mais le tout premier, ça a vraiment été cette idée-là de fooding. Ça s'appelait Green Eat à l'époque. Et en fait, je me faisais accompagner par des diététiciens pour composer des menus avec un nombre de calories en fonction de la personne que t'étais. Et donc, l'idée, c'était de proposer un shop dans Paris où tu viennes et où en fait, t'avais un menu entrée, plat, dessert avec le nombre de calories et tu vois, en fonction de ta typologie de personne, est-ce que je suis sportif, est-ce que je suis sédentaire. Et donc, tu pouvais venir sur le site. Et essayer tu vois, genre, tu avais des questions, ça remplissait, on te disait quel était le repas le plus approprié pour toi. Je pense que, très honnêtement, là, j'avais 25 ans. Alors, il y en a plein qui réussissent hein, déjà à créer des boîtes à 25 ans, mais moi, j'étais pas du tout mature encore à ce moment-là sur toute la complexité, sur à la fois gérer un restaurant, des partenaires, trouver des gens qui allaient pouvoir nous fournir la matière première, être en discussion avec les diététiciens qui allaient composer les menus, et puis comment je faisais le marketing. Et en fait, moi, j'étais un peu tout seul sur ce projet, et je pense que c'est un des trucs que j'ai appris aussi. Hein. C'est vrai que ce que je dis souvent, tout seul, on va vite, ensemble, on va loin. Et j'avais plein d'idées, j'arrivais à mettre plein de choses sur le papier. Le problème, c'est qu'à tout exécuter tout seul, ce n'était pas possible. Donc, ça a pris fin avec la fin de mes études et le fait d'aller à Grenoble, école de management. Et à Grenoble, moi, j'ai commencé à rencontrer des développeurs. Moi, c'était une grosse envie, c'est de sortir de ce truc où je parle qu'à des mecs qui font du marketing, que des mecs qui font du commerce. C'est très bien, mais en fait, on est issus du même moule et c'est pas comme ça que, tu vois, genre, j'allais ouvrir mon horizon et que j'allais me pencher vers la technique. Donc, à Grenoble, j'espérais rencontrer des développeurs, des ingénieurs et, tu vois, des profils différents. C'est ce qui s'est passé. Et parmi les gars, j'ai rencontré un mec qui avait une idée brillante. C'était celle de Tapcards. C'était au tout début du NFC, je crois qu'on parle de ça en 2013, donc à pas confondre avec les NFT, hein. Mais le NFC, et le constat, c'était avec l'apparition du téléphone, et en particulier de l'iPhone, où les gens prennent de plus en plus de photos, la notion d'album qu'on partage avec sa famille, et tu vois, genre qui est donné de génération un peu en génération, a disparu, au profit du tout digital. Et comment on essaye de remettre du physique un peu là-dedans. Et donc l'idée, c'était une photo qui elle est imprimée, qui contient à l'intérieur une puce NFC. Et quand t'approchais les téléphones dessus, donc à l'époque c'était Android, ça t'ouvrait un album photo numérique où tu pouvais présenter d'autres photos liées à cette photo principale.
ça a plutôt pas mal marché. Ça nous a permis d'aller au CES en 2015. Et ça, c'était très cool parce que du coup, tu vois de près le monde de l'innovation. Tu vois, pour moi, j'avais toujours idolâtré le CES et ça a été cool de faire partie de cette expérience-là, de rencontrer plein d'autres startups et de lancer tout ça. Petit à petit, il y a la notion, et là, c'est là où tu apprends la notion de market fit. On voulait aller sur du B2C, mais en fait le B2C ça a un coût, des coûts marketing qui sont parfois importants. Donc quand tu es une startup qui a pas trop de moyens, il faut savoir prendre les bons chemins, les raccourcis, peut-être s'intéresser à du B2B. Et dès qu'on est rentré dans ces sujets, on a été un peu les visions se sont écartées entre mon associé et moi, et du coup j'ai préféré quitter le projet. Mais encore une fois, c'était un apprentissage, tu vois. Je pense que ni l'un ni l'autre avait 100% raison. On avait tous les deux, tu vois, une partie de la vérité, sauf que incapable de faire des consensus. Et de son côté comme du mien, ça m'a servi aussi. Je pense que ça me sert chez Bulldog, tu vois. On est trois, c'est encore plus compliqué d'avoir des consensus. Enfin, parfois, il faut être à nos réunions pour voir comment ce qu'on se dit, comment on se parle et tout. Mais c'est toujours fait avec un bon fond, avec l'envie de faire progresser le projet. Et sans, il n'y a jamais d'attaque perso. Tu vois, c'est vraiment purement sur l'idée. Par contre, ça débat. Et je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà un peu le parcours. Yes. C'est important de pouvoir mettre l'ego de côté. Pour ouais. The sake of the discussion, tu vois. C'est pas toujours facile. C'est hyper dur. Ah non, mais même pas d'euphémisme là-dedans. C'est vraiment hyper dur de pas se sentir visé ou attaqué ou que ça nous touche, tu vois, sur des rendus, sur des choses qu'on propose et tout. C'est toujours. Voilà, faut jongler. C'est un juste milieu. Ouais. C'est tellement important, l'équipe. Ouais, il faut savoir défendre son opinion quand même. Tu vois, faut pas céder directement, faut être capable de défendre son opinion, mais pour autant, faut écouter ce que les autres disent parce que c'est comme ça. En fait, c'est comme ça que tu sors une meilleure idée, c'est comme ça que l'idée progresse et voilà. Ouais, moi j'aime bien l'idée aussi que leaders speak last, tu vois. Et c'est cool aussi de laisser parler les gens. Et à la fin, proposer quelque chose sans jamais imposer, tu vois, écouter, intégrer, reformuler et voir, laisser infuser, tu vois. Clément, t'as appris à ton chien à réagir au mot NFT. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est le projet derrière? Mais d'ailleurs, le dis pas trop fort parce qu'il va commencer à sauter partout et à croire qu'on va se promener. Mais ouais, ça, t'as associé ça, c'est du Pavlovien. Ouais, c'est ça, c'est malade. Dès que j'ai fait ça, ça me faisait marrer. Dès qu'on va se promener, je lui disais le mot NFT, j'ai arrêté de le faire parce que sinon, à chaque réu, ça devient insupportable. Mais, ça me faisait marrer. Et donc, pendant une semaine, à chaque fois qu'on allait se promener, je lui disais NFT avant. Et du coup, il a assimilé les deux et c'est trop drôle, quoi. Ça m'a fait marrer. Là, j'ai arrêté de le faire, mais je peux reprendre, je peux faire ça avec d'autres mots. Si ça vous fait marrer, vous me dites, hein. Essaye avec push to earn. Ouais, c'est drôle, c'est un peu plus long, mais il y a moyen que ça rentre. Ah, mais tu le places moins souvent en réunion, donc du coup ça te dérange moins. Ouais, en ce moment, on en parle beaucoup. Ouais. Mais justement, on va y venir. On se fait un petit passage sur Check to Wallet. On s'en parle un peu. Sachant qu'à la base ils voulaient qu'on fasse un truc dans l'octogone, tout ça. Moi je suis tellement BLS aujourd'hui, j'ai pas le goût, je suis désolé les gars, je peux pas fighter avec vous. Ça aurait été avec Oussama l'octogone, mais je pense qu'il a pris tellement d'oseille avec sa dernière formation intelligence artificielle que de toute façon il est loin là, il a d'autres chats à fouetter. Moi j'aime bien son approche, ceci dit, surtout la dernière, je sais pas si t'as vu ce qu'il propose sur sa vision de la shitstorm, en fait, tu vois, comment traverser une shitstorm, et en gros, c'est quand même assez malin, tu vois. Il y a un moment, je t'explique comment même moi, Oussama Amar, qui suis
paré de téflon, tu vois. Mais j'ai quand même un cœur, je suis sensible, tu vois. Mais c'est vrai, franchement, il a pris cher, hein. Faut pas. Ah non, mais moi, Je le souhaite à personne. J'ai grave aimé sa réaction là, quand il en parle dans la vidéo avec Yobi, là, où il Ouais. dit comment il réagit. Mais ouais, mais si tu veux, pour le sujet check ton wallet, en gros, d'où ça vient, si tu veux, déjà le format à la base. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu check ton wallet, c'est des vidéos que j'ai fait où j'analyse les wallets de gens connus. Et j'ai fait la première sur Oussama Hamar, et dans la dernière interview d'Antoine, quelqu'un lui pose la question, c'est Grégoire qui pose la question, et Oussama Hamar réagit en disant qu'en gros, je suis un bouffon, que je dis des conneries et tout. Donc moi, j'ai fait à mon tour une vidéo pour répondre. Déjà, la première chose que je tenais à dire, c'est que moi, globalement, Oussama Hamar, je l'aime bien. Et c'est vrai que suite à ma vidéo de réponse, j'ai reçu plein de messages. Genre, ouais, t'as raison, Oussama Hamar, c'est un menteur, machin. Moi, franchement, je trouve pas que ce soit un menteur, et je prends beaucoup de plaisir à regarder ses vidéos. Donc voilà, ça c'est la première chose. Après, j'étais quand même obligé de répondre, bah, d'une part parce que concrètement, il m'insulte, et la moindre des choses, c'est de répondre. Mais surtout, c'est parce qu'il dit qu'en gros, tout ce que je dis dans la vidéo est faux. Alors que, bah, voilà, encore une fois, je regarde concrètement ce qu'il y a dans le wallet. Donc global, sur ces choses-là, il n'y a pas trop de débat. Et après, oui, je fais des hypothèses. En mode, il fait un virement à un moment sur un compte sur lequel il y a $1 million qui a transité. Clairement, ce compte-là, on n'est pas sûr que ça soit le sien. Je fais ma petite vanne sur est-ce que c'est l'argent de The Family ou pas. Voilà. Après, il y a d'autres trucs, il y a d'autres hypothèses que je fais dans la vidéo. Bon, je ne sais pas si elles sont vraies ou pas, mais chacun peut se faire son avis. Donc voilà, mais ça m'a fait. Je pense que c'est plutôt drôle qu'autre chose. Même lui, je pense que. Il s'est un peu énervé, mais je pense que fondamentalement, ça doit lui en toucher une sans faire bouger l'autre. Et ce qui est marrant quand même pour la petite histoire, c'est que c'est pas la première fois que, qu'entre guillemets, je me prends une soufflante par Oussama Hamar. Quand j'étais chez The Family à l'époque, j'assistais à une conférence et c'était une conférence sur la culture d'entreprise. Et je me rappelle très bien, je pose la question. À ce moment-là, moi, j'étais dans ma boîte en train d'essayer un peu de pitcher des investisseurs et tout. Et je pose la question, comment est-ce qu'on présente sa culture d'entreprise à des investisseurs? Et là, il part en vrille, genre, non, mais t'as rien compris, la culture, c'est un truc qui se vit, tu ne présentes pas à des investisseurs, machin. Enfin, sur le fond, je pense qu'il avait raison, mais il est parti complètement en vrille, il s'est tellement vénère que son équipe de production qui réalise les trucs a dû couper tout ça au montage parce que vraiment, ça pouvait pas passer à la caméra. Et donc voilà, donc je sais pas si c'est qu'il aime pas ma gueule ou si vraiment ce que je dis pour lui c'est de la merde, mais voilà, en tout cas, les rares interactions qu'on a eues ont en général mal fini. C'est plutôt violent. Ouais, mais moi j'aime bien ton côté PAS, tu vois, Problem Agitate Solution, et je trouve ça assez cool d'avoir toujours l'envie de touiller, quoi, tu vois, c'est quand même assez stylé. Surtout que dans la vidéo, il est plutôt cool quand même. Enfin, oui, il est quand même très sympa avec lui. Il fait des suppositions. Il dit qu'il a le nez creux, il a vendu au bon moment. Ouais, mais je pense que ça touche à l'argent, à la vie privée. Donc, je crois qu'il a un crush pour toi, moi. Ouais, ça se trouve, il y a un kiff, ouais. Ouais. Non, j'ai revu la vidéo il y a quelques temps, et en fait, il me semble que tu avais mis en bas. Tu lui fais un petit shootout en fait en disant qu'il avait gagné ses trois référés, tu vois, quand même. Enfin, oui, en plus, ouais. En mode, ouais, ouais. C'est vrai, je le dis pas à l'oral, mais je le mets au moment où je parle. Ouais, tu l'as mis en bas en noir. Je mis que à date, il a gagné les trois référés qu'il oppose à The Family, quoi. Bon, voilà. Ouais. Mais bon, c'est assez drôle. Ça m'a fait doubler mon nombre d'abonnés sur YouTube en passant de 60 à 120. Donc. Quelque part, c'est le début. Récemment, on attend le prochain clash. On veut passer à 240. Bah, c'est avec Andrew Tate, le prochain clash. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais te dire. Là, tu as mis un peu en stand-by, mais tu vas continuer les check ton wallet. Ouais, clairement. Non, c'est un format que j'adore. Et pour moi, qui est parfait, parce que ça montre d'une part un petit peu le.
bah voilà, le fait qu'on connaisse un minimum la blockchain, enfin, on fouille Etherscan depuis des lustres maintenant, et en même temps, c'est du divertissement et ça permet de faire connaître la chaîne à des gens qui ne nous connaissent pas, mais qui connaissent les personnes dont on explore les wallets. Donc, c'est vraiment un format idéal, mais c'est un format qui prend beaucoup de temps à faire parce que tu as toute la partie recherche en amont le montage, enfin, le tournage, le montage, machin. Pour le moment, je suis un peu tout seul là-dessus. Et donc, c'est, voilà, c'est hyper chronophage et on a plein d'autres trucs à faire. Mais non, clairement, je vais en faire d'autres. J'aime beaucoup ce format. Et donc, ouais, Andrew Tate, ça devrait venir. Yomi Denzel aussi, je pense. Et plein d'autres. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à partager. J'avais commencé Éric Larchevêque, mais finalement, il ne se passe pas grand-chose. Et je trouvais il y a beaucoup d'oseille sur ses comptes, mais pas grand-chose à dire. Donc je ne pense pas faire de vidéo, mais voilà, preneur des suggestions. Bon, après, généralement, tu as quelques wallets publics et le reste, c'est... C'est sûr. Sous-marin, c'est caché, tu vois. Bien sûr. Ouais. Mais ça peut être fun de justement d'avoir ce côté public et de laisser, tu vois, pour donner de l'info sur ce que tu fais, ce que t'aimes ou ce que t'aimes pas. Je vois qu'il est déjà 13h. Faut qu'on enchaîne un peu. Qu'est-ce qu'on peut se faire? Ouais, vous disiez que vous étiez trois. Comment s'est passé la rencontre entre vous trois? La rencontre, elle se passe en fin 2021. Du coup, en gros, pour essayer de faire ça assez rapidement, moi, ça fait depuis 2019. 2019, j'achète mes premiers bitcoins, mais tu vois, un peu investisseur. 2021, je commence à avoir la hype, le bull run, et je suis content. Et donc, je m'intéresse un peu plus en profondeur au sujet. Je découvre les cryptos. Et puis, je découvre plus en profondeur les cryptos. Et puis, j'entends parler des NFT. Je vois que Clément, on en a déjà acheté. On discute tous les deux. Je lui dis, explique-moi un peu comment ça se passe. On parle beaucoup d'artistes, tu vois, au début. C'est comme ça que ça commence. Mais on avait tout de suite compris qu'il y avait un énorme potentiel et il nous manquait, nous on est deux mecs sales market, il nous manquait un monsieur technique qui allait pouvoir nous accompagner, nous dire ça c'est possible, ça c'est pas possible, et puis dans le concret pouvoir coder les choses. Et je connaissais Vincent, qui est notre CTO, Vincent Daniel, que j'ai rencontré chez My Elephant. On avait bossé sur des sujets de R&D ensemble chez My Elephant. Il y avait eu un super fit humain et un super fit professionnel. Et on parlait déjà à l'époque de crypto. Du coup, je suis retourné le voir en lui disant « Ah, t'es toujours dans les cryptos, tu t'intéresses aux NFT ?» Et puis, il m'a dit que oui. Et puis, il était un peu dans la même situation que moi. Après le rachat, bon, c'était très bien de faire partie d'un grand groupe, mais nous, c'était les startups qui nous plaisaient. Pour être assez transparent avec toi, on avait un peu une idée au début de ce qu'on voulait faire. On avait déjà des premières accroches avec le marché. Mais je pense qu'on était surtout chaud sur « Ok, on a trouvé une bonne équipe », puisque du coup, j'ai présenté Clément à Vincent et Vincent à Clément. Et on a une bonne équipe où on s'entend bien. Comme je disais tout à l'heure, on se dit les choses, on n'a pas peur. On a des compétences qui sont différentes, on arrive à bien à se compléter. On a cette idée là, on va y aller et puis on verra ce que ça donne. Et je pense que c'est vraiment la vie d'une startup, tu vois, on est parti au début avec un produit pour les artistes. On a testé des choses, on a développé et je pense que Clément pourra revenir dessus et en parler. On a développé des trucs là-dessus et puis petit à petit le produit a évolué et pour être là où on en est aujourd'hui. C'est-à-dire Bulldog, une solution qui accompagne les marques à déployer leur collection NFT. Ça, c'est ce qu'on fait depuis 7-8 mois maintenant. La nouveauté, ce pourquoi on est là aujourd'hui, pour vous parler un peu plus du push to hard, mais je te laisserai y revenir quand tu voudras. Eh ben, on va y aller. En fait, à la base, moi, j'avais un peu discuté avec toi, Jérémy, sur ton background de push, de messaging, et j'ai reçu ça à la NFT Paris. Alors, évidemment, c'est à l'envers,
Mais il y avait un mec avec des lunettes un peu chelou dans la file d'attente qui nous distribuait des billets et en disant Google owes you money, Google owes you money, comme ça. Et en fait, c'est là que j'ai découvert vraiment le concept de push to earn. Et du coup, je trouve ça génial en fait. Donc, let's go les gars, faut nous expliquer ce que c'est parce que moi je suis convaincu. Trop bien. Bah, déjà, gros big up à David qui a fait la distribution des billets pendant. Désolé pour les bruits de chien. Pendant NFT Paris, on pensait avoir largement assez de billets pour les deux jours. Et puis finalement, la file d'attente était tellement longue et tellement belle pour la distribution que tout est parti en une matinée. Et du coup, ouais, pour présenter un peu le concept push to earn. L'idée, elle est très simple, hein. C'est en gros de dire qu'aujourd'hui, le système d'acquisition est un peu cassé. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand je suis une marque et que je veux faire connaître mes produits, bah, je paye des intermédiaires qui relayent mon message. Et au final, ces intermédiaires-là, que ce soit, disons, les GAFAM, les grandes chaînes de télé, prennent toute la valeur. Et donc, nous, l'objectif, c'est de faire sauter ça. On est fan de la philosophie Web 3, donc forcément faire sauter les intermédiaires, recréer des connexions directes, ça nous parle. Et en plus de ça, c'est vrai que de travailler depuis la fin de l'année 2022 avec les entreprises, on voit leurs enjeux, que globalement elles ont du mal à adresser la communauté Web 3 et que c'est un gros enjeu pour elles de renouveler leur clientèle, d'avoir une audience plus jeune. Ça fait pas mal de temps avec Jérém et Vincent qu'on se pose la question, OK, comment adresser ce truc? Et à un moment, on s'est dit, en fait, si on tokenise un petit peu cette relation-là, si on crée une petite économie en fait en direct entre les marques et les gens, les marques font comme elles font aujourd'hui, elles payent pour envoyer des messages, sauf qu'au lieu de payer des intermédiaires, elles payent directement les gens. Et donc, c'est ça la philosophie du push to earn. Et donc là où, en gros, bon, Jérémy vous le dira mieux que moi, mais maintenant, l'enjeu, c'est de rassembler un maximum de marques, un maximum de gens et de commencer à les mettre en parallèle. Et ce qui est cool, c'est qu'on a, on a déjà du monde un petit peu des deux côtés. Et maintenant, faut développer le produit et tout, faire plein de tests. Puisque bon, l'idée, je pense, parle à tout le monde et assez simple de compréhension. Maintenant, l'exécution pour vraiment y arriver, ça va être le gros challenge sur les semaines et les mois à venir, mais qui nous chauffe beaucoup. Ouais, franchement, je trouve que l'idée, elle est géniale. C'est pour ça que je vous ai fait une passe aussi avec Jonathan Yamas de chez Vetri, parce que vous avez vraiment des atomes crochus sur le Fair Data et cette idée, en fait, de redonner la possession de ces datas à l'utilisateur et d'améliorer ce que vous appelez la contactabilité. Et je pense que tout ça mis bout à bout fait vraiment quelque chose qui peut être assez disruptif parce qu'avec ton passé, toi Jérémy, de campagne de millions de SMS avec un acteur chez Sinch comme ça, tu vois, où ils ont un peu révolutionné le ROI, le feedback, savoir moi j'ai envoyé un SMS, une campagne Noroto à 1 million de personnes, qu'est-ce qui se passe derrière avec mon SMS, quoi, tu vois. Et si jamais tu peux rendre de l'argent à ses utilisateurs. Au final, c'est nous qui sommes les plus lésés. Ouais. Tu vois. Moi, j'aime bien appeler ça la tokenomie de l'engagement. Tu vois, genre pour faire un peu référence à Brave, qui est la tokenomie de l'attention. Tu es disponible, je te montre une pub et tu es rémunéré pour cette pub là et je trouve ça brillant comme idée. On a essayé de l'adopter au messaging et dans le messaging c'est l'engagement, qui clique, qui interagit, qui fait quoi, c'est ça qui a de la valeur pour la marque. Il n'y a pas de raison que l'utilisateur qui réalise ces actions là ne soit pas rémunéré pour ça et comme disait Clément, pourquoi toute la valeur est gardée par nos amis de chez Google ou de Meta. Essentiellement Meta, hein, quand on parle de messaging avec WhatsApp et Messenger aujourd'hui. Mais donc, il y a un modèle plus fair de distribution. Pour faire le petit parallèle avec Jonathan, on le voit cet après-midi. Après de longues semaines de discussion, on a réussi à caler un rendez-vous. Donc, on va pouvoir creuser ça cet après-midi. Pour reprendre un peu là où Clément s'en était arrêté, effectivement. Donc, on a lancé des collections avec des marques, on discutait avec ces marques-là, et en fait, on a vu deux besoins naître.
Le premier besoin, c'est en fait, je suis nouveau dans le secteur du Web3 et je ne sais pas communiquer avec ces cibles-là qui généralement se trouvent sur Discord, se trouvent sur Twitter, voire se trouvent sur Telegram. Le deuxième cas de figure, c'est ben, en fait, j'ai déjà lancé une collection, ça marche bien, les gens l'ont acheté. En revanche, j'ai du mal à établir un lien permanent avec ces communautés-là pour les informer. Je sais que Discord existe. Enfin, là, je te traduis vraiment le besoin Marc. Hein. Je sais que Discord existe. Pour autant, c'est long, chronophage et on a du mal à organiser ça au sein de l'entreprise. Donc, quelles sont les solutions alternatives pour rentrer en communication soit avec des communautés Web3 et soit avec ma communauté Web3 à terme qui possède ma collection. Et donc, l'enjeu de faire rentrer des marques, on l'a. Enfin, tu vois, genre, il y a deux enjeux, comme disait Clément, le fait de faire rentrer des marques et des communautés, parce qu'il y a ceux qui veulent envoyer les messages et ceux qui peuvent les voir. Faire rentrer des marques, j'irais, même en bear market, et c'est ça qui est assez intéressant et c'est ça qui nous donne confiance sur le produit, toutes les marques aujourd'hui sont intéressées par le fait de communiquer, de discuter avec ces nouvelles communautés qui sont en train d'implémenter de nouveaux usages et de créer de nouvelles façons de faire du business. Donc, elles veulent parler avec. Aujourd'hui, elles ne savent pas le faire. Donc, nous, ce qu'on leur propose, c'est qu'on a déjà pas mal de communautés partenaires et on essaye de commencer à pousser des messages dans Discord pour essayer de... Ben voilà, de créer de la notoriété pour la marque qui fait le message. Donc, on a ces communautés-là qui rentrent petit à petit aussi, qui sont intéressées parce que pour elles, en fait, ça fait un revenu passif pour la communauté. Donc, ça leur permet de financer de nouveaux projets, de continuer à la communauté de se développer. Et Dieu sait que c'est intéressant dans un monde Web3 où il y a la guerre aux royalties. Donc c'est un nouveau moyen aussi pour ces communautés-là de faire de l'argent, et sans oublier le end-user qui lui est, je dirais, générateur de viralité, d'engagement, et qui, plus il va générer de viralité et d'engagement, plus il va être rétribué pour ça. Donc ça, c'est un peu le modèle. Le shortcut aujourd'hui, c'est de travailler avec les communautés directement sur Discord. La vision moyen-long terme, c'est très probablement une app. Qui va mixer à la fois, je reçois des infos des communautés dont je fais partie et donc des messages qui me concernent, qui vont me dire tiens Jérémy, t'as le NFT Lacoste, la prochaine utilité Lacoste, c'est temps pour y participer, clique là, voilà comment ça se passe. Donc ça c'est hyper intéressant pour moi en tant qu'utilisateur d'avoir un endroit où on sait ce qu'il y a dans mon, je sais ce qu'il y a dans mon wallet et je rate pas les activations qui sont en lien avec ça, et puis plugger sur cette app-là qui a cet usage, des messages de marque qui veulent se développer, communiquer avec communauté Lacoste, communauté Nike, communauté Decathlon et je ne sais pas quelles autres communautés, et donc d'être capable de faire des ciblages en se disant tiens, je sais que Clément dans son wallet, il a tel NFT, il dépense tant, parce que c'est ça aussi la beauté de la blockchain, c'est que même si on est anonyme, tous nos comportements d'achat sont transparents, et donc ça permet des possibilités de ciblage assez fin, et donc de lui envoyer un message qui va lui correspondre et où s'il fait de l'engagement dessus, il va être rémunéré pour. Donc c'est ça qu'on essaye de construire. Alors la route est encore longue. On grandit encore une fois à chaque fois qu'on discute avec des partenaires. Il n'y a pas longtemps, on était avec Rakuten qui nous expliquait comment eux faisaient de la publicité. Donc les acteurs historiques, c'est important aussi de regarder comment les autres faisaient avant pour essayer de l'améliorer. On discute avec des communautés, on discute avec des marques. Là, je resterai secret, on en a plein. Qui sont assez intéressés. D'ailleurs, si vous êtes boss d'une communauté, que vous voyez cette vidéo et que vous vous dites « Tiens, moi, j'ai envie de générer des revenus passifs en pushant des messages de marque auprès de ma communauté », n'hésitez pas à nous contacter et on pourra discuter, vous présenter les marques qui font ça.
Je sais pas, Clem, parce que là, du coup, je me vois en plan. Je sais pas si j'ai oublié des trucs, tu veux rajouter des choses. En tout cas, le message est passé. Ça, c'est une très bonne chose. Et moi, j'aime beaucoup ce concept un peu de Robin des Bois, tu vois. De redonner. Enfin, c'est pas voler les GAFAM pour redonner aux utilisateurs, mais c'est un peu ça, quoi. Il y a un moment, c'est aussi ce que va nous proposer le Web3. C'est ouais, une nouvelle vision. GAFAM, arrête de voler les utilisateurs. Nous, on vole pas les GAFAM, on récupère l'argent. Les utilisateurs ne font pas assez attention à ce qu'ils donnent. Tu vois ? Parce que c'est du don. Quand tu cliques sur accepter les conditions générales, tu ne les lis pas, mais tu acceptes. Donc tu donnes. Ils ne te volent pas. Tu vois ? Ouais. C'est marqué partout, c'est très clair, c'est très encadré. C'est juste que tu prends pas le temps de lire, moi le premier, hein, tu vois. Bon, après, moi, j'accepte jamais les cookies, par exemple, mais tu donnes beaucoup d'infos gratuitement, tu vois. Même au-delà des cookies, sur Insta, t'acceptes la politique Insta, tu vois, genre, tu vas faire des likes, tu vas générer de l'engagement. Clément, ouais. Ouais, il vient de nous le couper. Donc ouais, non, je disais même sur Insta, tu génères de l'engagement, tu fais des likes, etc. Et au final, toute ta data, tout l'engagement, tout le ciblage, c'est Instagram et Facebook qui en profitent pour le faire payer aux marques. Et toi, en tant qu'utilisateur final, bah tu vois même pas les miettes. Il y a même pas de miettes. Il n'y a rien du tout. Ouais, et pour compléter ce que disait Jérém, ce que j'aime bien dire aussi, c'est en gros ce que le push to earn n'est pas. Tu vois, et typiquement, bah, c'est en tout cas, on ne veut pas que ce soit une version Web 3 d'un truc qui existe déjà aujourd'hui. Ça ne va pas être le Google du Web 3 ou le WhatsApp du Web 3 ou je ne sais pas quoi. Nous, l'idée, c'est vraiment de réinventer entre guillemets une nouvelle façon pour les marques de parler aux gens. Et l'autre chose qu'on veut pas que ce soit, c'est on veut pas que ce soit un truc uniquement publicitaire, tu vois. C'est pas genre tu vas te connecter, tu vas juste recevoir des pubs. On a un peu une vision où on s'inspire beaucoup de Brave. Tu vois, Brave en général, tu viens parce que, en tout cas moi c'était mon cas, tu en entends parler, tu dis tu vas avoir des pubs, tu vas recevoir des tokens, et puis finalement tu restes dessus parce que l'expérience elle est trop cool, parce qu'au final tu as moins de pubs que sur les autres navigateurs. Et nous la vision elle est un peu pareille, c'est qu'en fait dans ton application, donc Push to Earn, est-ce que ce sera le nom demain, on verra, mais en tout cas dans ton application tu vas en fait recevoir les messages les plus importants des marques que tu suis. Et tu vas aussi recevoir des messages probablement de marques que tu ne suis pas, des messages un peu non sollicités et pour lesquels tu seras payé. Et qu'en fait, chacun décide un peu où il met le curseur. Il y en a qui peuvent vouloir ne rien recevoir et ne jamais être payé, mais juste avoir un environnement ultra calme, contrairement peut-être à Twitter et à Discord, pour recevoir les messages importants. Donc là, typiquement, on passe à côté d'un milliard d'utilités parce qu'on n'est pas dans tous les Discord, tous les Twitter, et là, tu pourrais avoir ça. Et d'un autre côté, tu peux mettre le curseur en mode full, je veux gagner de l'oseille, envoyez-moi un max de messages publicitaires, je vais les repartager, je vais les machins, et je vais gagner des tokens. Donc voilà, pour compléter un petit peu ce que je disais à Jérém sur la vision. Yes, mais je vois que le temps file. Est-ce que vous avez des petites astuces à partager sur... comment aller chercher des clients justement en cette période de bear market? Jérémy disait qu'il y avait pas mal de choses dans le pipe. Aujourd'hui, c'est quoi la stratégie dans ces temps un peu moroses pour aller chercher des nouveaux clients? Clément, je te laisserai compléter ensuite, mais je vais commencer parce que c'est moi qui m'occupe de la partie sales. D'abord, c'est s'entourer d'un excellent... Chief Marketing Officer, en la personne de Clément qui nous fait beaucoup de contenu. Je pense que la présence par le contenu, expliquer la pédagogie, expliquer tiens telle collection vient de sortir, c'est quoi les points forts, c'est quoi les points faibles, qu'est-ce qu'on aime bien, qu'est-ce qu'on reprend, tout ce contenu là qu'on travaille à plusieurs, hein, mais que Clément orchestre pour nous, et donc ça c'est super. En plus il a toujours, tu l'as vu avec la vidéo d'Oussama ou avec le post du Lama qui a cassé LinkedIn, il a toujours la bonne façon de twister ça, donc je pense que ça c'est important. Après nous on a la chance en fait on a quand même tous plus ou moins dans le web tradi 10 ans ou 10-12 ans d'expérience, donc on a noué un réseau.
c'est reprendre contact avec ce réseau, discuter, présenter ce que tu veux faire, et puis en fait tu remontes le fil un peu comme ça, on te présente des gens, et puis tu discutes avec d'autres personnes, et je dirais que en bear market c'est comme ça que qu'on essaye de remonter, d'avoir des clients, et puis ouais, c'est pour moi c'est principalement, en tout cas du côté des marques, c'est principalement un travail sur LinkedIn. Du côté Twitter, communauté, c'est plutôt un travail sur Twitter. Mais c'est beaucoup de contenu, beaucoup de communication, beaucoup de réseaux. Et puis c'est ne pas avoir peur, quoi. Il faut essayer, il faut prendre son téléphone. Peut-être que la personne avec qui tu vas parler là tout de suite, elle est absolument pas intéressée par ce que tu fais, mais elle va connaître quelqu'un d'autre qui va te mettre en relation. Et puis il faut tirer la bobine. Petit à petit, c'est long, ça demande du temps, mais en même temps c'est formateur parce que ça fait progresser ton projet, tu vois, genre chaque fois que tu discutes avec une personne, t'as forcément des retours sur le projet en positif, en négatif, qui font évoluer le truc, ça te permet d'affiner toi ton discours, d'être de plus en plus efficace, je pense que essentiellement c'est comme ça. Après maintenant qu'on a commencé à faire quelques petits trucs avec des marques et qu'on a lancé ça, et que il y a eu un peu de RP de communication, on a des leads qui viennent sur le site, et je pense que pour que ça continue et qu'on ait de plus en plus, faut continuer la stratégie contenu et réseau, je dirais. Yes, carrément. Enfin, là-dessus, tu vois, sur le côté acquisition, je pense déjà la première chose à dire, c'est qu'on va pas se mentir, tu vois, c'est pas non plus la pluie de leads dans tous les sens. Je pense qu'on s'en sort pas trop mal, parce que on arrive à être assez visible, et là là-dessus, bah, c'est beaucoup LinkedIn qui nous aide. Et en gros, en fait, LinkedIn, ce qui est marrant, c'est que nous, au début, on s'intéressait aux artistes, à prose d'entreprise. Au début, on était surtout sur Twitter, après sur LinkedIn. Et quand on est passé sur LinkedIn, ça a mis du temps quand même avant de faire tomber ses fruits, à récolter ses fruits. Mais ça a fini par payer. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, LinkedIn, c'est pas uniquement pour les gens qui ne te connaissent pas. C'est-à-dire que nous, le fait avec Jérém d'être assez présent sur LinkedIn et de matraquer un petit peu, c'est surtout même les gens en fait de notre réseau, du coup, ils pensent à nous quand ils pensent NFT machin, et quand eux entendent parler autour d'eux de tiens, bah lui il fait des NFT machin, ça fait des intros. Et donc en fait, même pour ton réseau à toi, que tu qui pourrais dire ils pensent à toi naturellement, mais en fait non, si t'es pas au quotidien en train de parler de ton truc, bah même ton réseau perso, il y pense pas. Et donc ça nous a bien aidé. Puis après, effectivement, un peu de bouche à oreille, des boîtes avec qui on bosse qui en parlent à d'autres, machin, mais du coup, ouais, LinkedIn, ça nous a beaucoup aidé. Et si quelqu'un veut faire du B2B, bon, je pense que j'apprends rien à personne en disant d'aller sur LinkedIn, mais je le redis. Et aussi, nous, peut-être ce qui a participé aussi à nous faire connaître, c'est la stratégie Avengers ou Pom Pom Girl Cheerleader Effect. Là, c'est le fait qu'on soit plusieurs dans la même boîte à parler un peu régulièrement, et que c'est pas juste la même personne. Donc ça, je pense que ça a aidé. J'ai l'impression que les autres boîtes du Web 3 qui communiquent sur LinkedIn, j'ai l'impression que c'est un peu toujours un interlocuteur. Donc voilà, peut-être que ça a participé à nous faire connaître. Ouais, il y a plusieurs stratégies là-dessus sur LinkedIn. Soit c'est un CEO qui bombarde tous les jours pour être top of mind de son réseau et des clients. Soit effectivement la stratégie Avengers, donc on est plusieurs. Nous, c'est ce qu'on fait avec la Huge Letter. On a régulièrement Hugues et Léa Arthur qui postent, en plus de moi, qui suis le plus visible, entre guillemets, pour le moment de la Huge Letter. Mais clairement, pour faire du business B2B, LinkedIn, c'est incroyable. Enfin, surtout toi, Clément, qui a cassé LinkedIn une fois. Ça fait plus de 8 millions d'impressions, je crois, sur ton post avec le lama, là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est complètement parti en couille. Le truc, il a fait 70 000 likes. Incroyable. Il y a certains commentaires et certains commentaires qui ont fait genre 3000 likes, des trucs comme ça. Enfin, tu vois, c'est sur le truc des... Je trouve que ce qu'il y a de marrant avec ce post, c'est que ça montre bien, tu vois, genre on revient au début, le clivage d'Internet.
autour du Web3, ceux qui aiment et ceux qui détestent, et donc de réussir à, en tant que personne qui aime la blockchain, hein, et d'avoir de l'autodérision sur ses propres investissements, je pense que ça a touché à la fois les mecs qui, bah, comme nous, et qui ont perdu un peu de bagues, mais ça a aussi beaucoup fait plaisir à tous les haters. Et donc, tu vois, genre, je trouve que c'est ça qui est génial avec ce poste, c'est que peu importe que tu sois pro ou contre, tu pouvais te retrouver dans ce poste-là. Ouais, puis il y avait la petite la cerise sur le McDo, tu vois, le côté irrévérencieux de c'est un conseil en investissement. Tu vois. Ça, c'était pépite, tu vois. Si tu veux des conseils, demande-moi, t'inquiète pas. Mais tu rigoles, mais tu sais que suite à ça, il y a vraiment des mecs qui m'ont contacté pour me demander, tiens, je veux acheter le NFT de Justin Bieber et tout, est-ce que tu crois que je devrais y aller, machin. J'ai dit au mec de pas y aller et le truc a fait genre x3 en... Ben voilà, je vous avais dit de m'écouter. Ouais, ben oui, grave. Non, mais c'est drôle. Ouais, faut l'écouter, faire l'inverse, mais il faut l'écouter. Mon plus grand regret sur ce poste, c'est qu'il n'a pas fait pump le prix des Solama et il m'en reste encore beaucoup, donc j'aurais été chaud que ça fasse pump, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. C'est resté vraiment focus LinkedIn, ça n'a pas été déversé sur Magic Eden. Dommage. Bastien, tu veux bien nous mettre en configuration huge question? Yes. T'es... Pour moi, t'es. No brainer. Entrepreneur. Facile. Ouais, après, je crache pas dans la soupe. Hein. Avoir un CDI, une retraite, un chômage, machin, tout ça, c'est bien. Je pense que. Voilà. Mais moi, bon, on a fait le choix. On a fait le choix d'entrepreneur. Ouais. Je veux build. Oui, je vais dire IRL. Ouais, encore pour le moment, toujours IRL. Web 4. Les deux. Web 5. Parce que Web 2 plus 3, Web 5. Non, Web 3, évidemment. C'est marrant cette question. Moi, j'aimais bien la réponse de Mark Zeller là-dessus, qui disait qu'en fait. Tu t'achètes du Bitcoin en fait si t'es pessimiste, si tu penses que le système va s'effondrer et que tu veux te protéger pour ça, t'achètes du Bitcoin. Si tu penses que si t'es optimiste et que tu penses que le Web 3, les applications du Web 3 ont énormément d'avenir, t'achètes de l'Ether. Moi perso, j'ai un peu les deux en moi. Je suis pessimiste peut-être sur la finance au global, mais je suis hyper optimiste sur le Web 3 et les applications du Web 3. Donc j'ai les deux. Et je les aime tout autant les deux et je suis incapable de choisir, c'est comme entre mon père et ma mère, même si en vrai je préfère ma mère, mais ça... rien à rajouter. Tout est dit. On peut pas tomber plus bas, je pense. On a rien à craindre. Non, et puis on peut pas être dans cet univers là même si on n'est pas bullish sur le long terme. Moi, je suis tant qu'on est dans les bullish long terme. Tant qu'on est dans les questions, je vois qu'il y a une question de. Il y a Hugo, je crois, qui a posé une question et qui disait sur le projet Push to Earn, quelle serait la place d'un collab manager dans un projet comme ça? Est-ce que, entre guillemets, quelqu'un peut nous contacter s'il a une agence de collab et carrément? En fait, nous, donc, sur ce projet-là, il y a des gens, ramener des marques et ramener la communauté Web3. Donc, si toi-même, tu es en contact avec des communautés Web3, et que ces communautés-là sont intéressées par le projet, comme disait Jérém, pour générer un revenu passif et en plus arriver un peu early dans un projet, tu vois, il va y avoir des rewards, des airdrops, des choses comme ça. Donc, carrément, très chaud, tu peux nous contacter, on se fait un petit call et on voit ce qu'on peut faire. Trop bien. Désolé, Bastien, j'ai vu Bastien parce que j'étais en train de lui passer les commentaires en même temps que lui. Ils sont apparus, ils ont disparu. Enfin, bref, on s'est pas compris. Bitcoin en 2025. C'est quoi le prochain halving? C'est 2024, donc 2025, mars, c'est bien, hein, mars 2024. Pour le moment, c'est prévu le 29. Je sais pas. Si on est quoi? On est le 9 mars 2023.
Ah, enfin, moi, je suis sûr que ce sera plus haut qu'aujourd'hui. Faut le faire comme JP Morgan. C'est 400 000. 2025, 400 000. On va péter tous les scores et tout. Enfin, on n'a pas de boule de cristal. C'est compliqué de savoir. Ce qui est intéressant, c'est avec le halving, il y a les coûts de production qui vont doubler. Et je crois que globalement, ils vont se situer entre 27 000 et 46 000 dollars après l'opération. Donc, enfin voilà, après de cette information t'en fais ce que tu veux, mais si le Bitcoin est de l'avenir et qu'il y a des mecs qui continuent à le miner, il faut tabler un prix moyen à 35 000, donc voilà, minimum 35 000. Mais après, Julien, si tu veux vraiment faire de l'oseille, j'ai envie de dire, inscris-toi sur le site pushtoearn.xyz, commence à gagner des tokens et tout, sois early dans le projet, et là, tu feras vraiment de l'oseille. Et après, tu sécuriseras ça en achetant un peu de Bitcoin et un peu d'immobilier et un peu de diversification, comme tout bon conseil en investissement, finalement. Et achète des Solana aussi, puisque le floor est très, très bas. Et pareil, tu ne pourras pas aller beaucoup plus bas. Et en plus, il y a une team qui est en train de reprendre le projet, machin, en mode DAO et tout. Donc ultra bullish sur les Solana. Ah putain, désolé Bastien. On se cafouille. On a Jean-Yves aussi. Salut Jean-Yves, ça n'a pas l'air d'être une question, mais merci pour ton retour. Ouais, et juste tu te contactes. Ah oui, Watch to Earn, bah, on va regarder ça, ouais, contacte-nous, grave. Voilà, trop bien. Est-ce que vous voulez rajouter des choses? Je suis désolé, j'ai pas été le plus vif des intervieweurs aujourd'hui, mais... Non, tu as été excellent, bah, juste te remercier pour l'accueil, pour tes questions et pour ce que tu fais, même avec les autres interviews et tout, c'est très cool. Ouais, c'est merci cool. Les gars. Mais une petite chose à rajouter, rendez-vous sur pturn.xyz, inscrivez-vous, on vous attend. Ça, c'est le premier truc. Vous avez des communautés, vous êtes des marques, on est là pour discuter. Vous avez les noms qui apparaissent. On a fait exprès de doxer et de ne pas mettre nos noms Twitter. Donc, si vous voulez nous contacter sur LinkedIn, n'hésitez pas. On est là pour discuter. Le lien du site, je le vois, je ne sais pas comment on peut le donner, mais c'est push. Ah, c'est PU, Bastien. Ouais, parfait. Bastien, il va pouvoir le... Tiens, bah, Clément, il l'a mis... Nickel. Il l'a mis... on va et acheter des Solana pour sauver Clément. Moi, pour info, c'est avec les Solana qui m'a fait plonger dans les NFT. Hein. Quand on a commencé à discuter, il m'a d'abord montré, il m'a dit regarde, j'ai acheté des magnifiques lamas format NFT, vas-y, rejoins-moi. Et bon, je n'ai pas acheté les lamas, mais ça m'a donné envie en tout cas. C'était quand même la folie cet été 2021 des NFT là. Et il me semble que je ne sais pas qui c'est qui demande qu'est-ce qu'on pense des croissants distribués par Clénosaur. Ah, j'ai pas suivi ça, j'ai pas vu. Mais pas les croissants, non. Mais en tout cas, si c'est des vrais croissants qui se mangent, je suis chaud, hein, c'est toujours bien. Ouais. Et oui, du coup, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est pushtoearn.xyz, le lien du site. Trop bien, merci Antoine. Et puis j'espère que ça va bien se passer cet après-midi avec Vetri. Vous allez voir, ouais. Jonathan, c'est un mec incroyable. Et il a vraiment cette vision de redonner la propriété des données à leurs vrais propriétaires. Et, je pense qu'il y a des choses, ouais, il y a des choses à faire. Bah, merci pour l'intro en tout cas. Ouais, top. Bastien, tu reviens. J'invoque Bastien. Voilà. Ouais, super, putain, je me suis régalé, franchement, super projet. J'aurais pu réagir sur plein de trucs, mais non, c'était franchement cool. Mais réagis, let's go, c'est ce qu'on veut. J'ai aussi fait une école de commerce et la quatrième année, pareil, c'était à l'étranger. Et à l'époque, le top du top, c'était San Diego chez nous. Et pareil, j'ai un pote, c'était pas le top number one de la promo, mais il a quand même demandé et. Contre toute attente, c'est passé, tu vois, et il a pu y aller. Mais ça m'a fait penser à ça, et c'est vrai qu'on a un peu tous le même cursus, finalement, quoi. En école de commerce, je me rends compte. Bah ouais, putain, il a dû kiffer ton pote à San Diego, et j'en ai pas parlé, mais le gros kiff, en vrai, dans ce semestre-là, c'était les week-ends à Vegas, et que lui a mis ça aussi, et bien partir
en bagnole avec ses potes à Vegas. On venait d'avoir 21 ans en plus, on était comme des dingues. En plus, c'était la période où je jouais au poker à fond. Ouais. Et les soirées, les machins, enfin, c'est incroyable. Ouais. Ouais, alors bon, moi pour l'anecdote, mon pote il s'est fait chier à mort parce que San Diego il a dû acheter une bagnole, ses cours ils étaient hyper tard, du coup il pouvait pas sortir, enfin bref, mais par contre la ville était sympa, ouais. Mais ouais, il a pas eu de chance. On a une question. Ouais, on a une question. Romain, ouais. Ouais, j'ai répondu dans le chat, mais c'est adresse Ethereum, ouais, les tokens qu'on va émettre, ça va être sur Polygon et Ether. Donc, si tu mets ton adresse Ether, c'est mieux. Oui. Ok. Bah, on ne va pas encore faire les ordinales. On va laisser la blockchain Bitcoin tranquille. Et j'ai vu la personne qui a partagé. Moi, je vois marqué LinkedIn User. Je n'ai pas le nom, mais les croissants qu'ils ont distribués, ils sont à 70 Solana. Là, donc, je ne sais pas qui en a récupéré, mais... si c'était donné gratuitement à des gens de l'Université de Paris, ça fait un bon truc et on va faire en sorte que il y a de l'écho. C'est peut-être Bastien. C'est peut-être moi, je crois. Ouais, vas-y. Ouais, merci. Et du coup, bien ouais, ceux qui ont distribué les croissants, et on va faire en sorte que ceux qui ont nos petits billets de l'event aient le même retour sur investissement un jour. Franchement, ils sont top. Trop bien. Oh, c'est bien marré à faire ça. J'aime bien ce côté guérilla marketing un peu, tu vois, c'est cool. C'est vraiment bien. C'était bien inspiré du NFT New York, où les mecs, tu sais, ils avaient fait venir un sosie de Snoop Dogg devant, avec le t-shirt. Donc on s'est dit, il faut qu'on trouve une idée aussi comme ça qui détonne. Pour la petite info, au début, on voulait taguer le sol devant NFT Paris avec un gros push to earn, etc. Puis quand on a vu qu'on en courait plus que de la garde à vue, parce que la garde à vue, a priori, ça va, tu vois, mais ça pouvait nous coûter très, très cher. On a cherché d'autres solutions et j'avoue que le billet, c'est assez sympa, ouais. Ça parle à tout le monde, c'est un petit côté marrant. Et le truc qui nous a fait plaisir, c'est qu'on n'en a pas vu par terre à la fin fin de l'event. Ça peut être gâché, quoi. Les gens l'avaient dans la poche. Donc c'était assez sympa. Et moi, j'en ai fait tomber un dans le métro et il y a un mec qui me l'a ramené en mode « Putain, t'as fait tomber du fric et tout, donc je suis content, ça y ressemble. » C'est à s'y méprendre. Joué. Franchement, c'est drôle. La prochaine fois, on va faire un truc, on met les chiens, les deux bulldogs, et on laisse la mallette ouverte, pleine de cash, devant l'event, et les gens doivent venir devant les chiens pour la prendre. Julien, il est taquin aujourd'hui. Grave. Non, mais je pense que là, elle est suffisamment fake pour pas qu'on nous emmerde. Et pour la petite anecdote, on a imprimé ça, c'est des formats marque-page. Donc, si vous voulez les conserver en tant que marque-page... Ils sont solides, tu veux dire, ouais, ils sont... Non, en fait, on a pris le grammage le plus fin pour que ça ressemble à des billets, justement. Ouais. Mais en tout cas, c'est les formats marque-page, donc voilà. D'accord, nice. Nickel, eh bien, merci beaucoup les gars. Franchement, c'était un plaisir. Merci à vous. Merci à vous pour l'invite. Hop. On va balancer la bannière. Merci à tous ceux qui ont suivi. Et n'hésitez pas à nous contacter si ça vous intéresse. Merci pour vos interactions. De toute façon, c'est dispo en replay sur YouTube, comme d'habitude. On va découper ça, on va faire des petits shorts aussi. Ça va le faire. Ouais, des bonnes anecdotes. Et puis, merci. Vous êtes au top, les gars. Merci, toi aussi, t'es au top, Julien. Merci, Julien, t'as été excellent. Ouais. Et puis, à très vite. Merci, yes. Romain. Pour la force. Salut. Merci. Bonne journée à tous. À bientôt. Ciao, ciao. Ouais, bye bye. Ciao les gars, ciao.